Nang's Reborn. Wow. Bonjour Reborn. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Cette vidéo, c'est flippante, ça fait vraiment peur. En tout cas, pour ceux qui ont peur. Ici, nous allons voir une femme qui a été filmée en plein cimetière en train de t'appeler le diable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux toute cette histoire? Je vais d'abord vous montrer tout ça et vous allez comprendre. Suivez-moi. N'ayez surtout pas peur, n'ayez surtout pas peur, n'ayez surtout pas peur. Soyez fort, soyez fort, soyez fort. Regardez maintenant ça! Woo! Vous voyez ça? On se retrouve là, dans un cimetière. Et dans ce cimetière, on trouve quelqu'un, une femme, en train d'invoquer le diable. Est-ce que c'est de la blague? Ça a été filmé. La vidéo est là, ici, comme vous pouvez le voir. Et nous allons l'entendre invoquer le diable. Regardez très bien. Comme vous pouvez le voir juste là-bas, il y a quelqu'un. Vous voyez, non? Et la personne a allumé le feu. Et... elle commence à faire des incantations. Le rituel a commencé. Le rituel d'invocation. Elle appelle Satan. Et le monsieur il filme, hein. Genre il est un peu loin d'ici et il filme tout ça. Elle appelle le diable, elle demande au diable de la bénir, de la combler de toute sa grâce. Et c'est exactement comme à l'église quoi, là-bas à l'église on dit Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi ceci, donne-moi, accorde-moi la santé, accorde-moi tout ça. Elle arrive à dire. La part de Dieu, elle dit le diable, elle dit Satan, accorde-moi tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ce qu'elle est venue faire ici, c'est ce qu'elle dit. C'est vraiment étonnant, hein? Vous voyez ça? Est-ce que c'est un montage? Est-ce que c'est une mise en scène? Jusqu'à où les gens sont prêts à aller juste pour faire le buzz? Elle dit Père Satan. Donne-moi de ta grâce. Bon. Maintenant, dites-moi les frères et sœurs. Est-ce que vous pensez que c'est réel? Est-ce que vous pensez que cette vidéo n'est pas fake? En tout cas, il faut que vous puissiez savoir certaines choses quand même. Vous devez savoir que
Les gens adorent le diable sur la terre ici. Et oui, il y a des adorateurs du diable. Et la manière dont ils adorent le diable n'est pas différente de ce que les chrétiens font à l'église. C'est la même chose. Oui, c'est totalement la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils disent bonjour Satan. Mais normalement, ils ne doivent pas l'appeler Satan. Il appelle Satan leur père. Ouais non. Parce que Satan refuse que ces gens-là l'appellent Satan. Ouais non. Donc ils appellent Satan leur père, leur seigneur. Ils peuvent même l'appeler le maître de la sagesse. Ils lui donnent ces genres de noms là. Ouais non. Parce que pour eux, c'est Satan qui a ouvert les yeux à l'homme. Ils disent que c'est Satan qui a donné la connaissance à l'être humain. Ils disent que c'est grâce à Satan que Ève a pu manger le fruit et que ses yeux se sont ouverts. C'est là qu'elle a eu la connaissance. Donc pour eux, Satan, c'est le maître de la connaissance. Et quand ces gens-là se réunissent là, ils se réunissent pour adorer Satan. Un mec cette année nous a dit que ces gens se réunissent les lundis pour adorer le diable. Et dans leur réunion, il y a toutes les personnes qui occupent les places les plus élevées dans le monde, avec ceux qui nous gouvernent. C'est étrange. Mais ce que les gens racontent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je n'étais pas là-bas pour voir. Mais bon, ça existe quand même. Oui, ça existe. Les gens ont de l'encens, ils ont de l'encens, ils commis les trucs, ils offrent des choses, des sacrifices, même au Dieu qui se trouve dans le ciel, à la reine du ciel. Ce genre de choses-là, ça existe depuis très longtemps, depuis la Bible. Ça là, à cause de ça, Dieu a déversé sa colère sur beaucoup de peuples dans le passé. Oui, toutes ces personnes qui se trouvaient dans ces anciennes traditions, Dieu a déversé la colère là, sur elles. Mais, c'est revenu encore. C'est comme d'habitude. Se rendre au cimetière pour faire les rituels. Pourquoi les gens se rendent-ils au cimetière pour faire les rituels? Pourquoi selon vous? C'est tout simplement parce que c'est là-bas qu'on enterre les morts. Pour eux, c'est comme une porte qui donne accès à l'au-delà. À l'au-delà. Au monde des... Au monde des démons, quoi. Le monde des morts. Vous voyez? Et comme le diable n'est pas saint, comme lui n'est pas propre, il va vous amener à faire du sale. Et la meilleure façon de vous amener à faire du sale, c'est de vous rendre au cimetière, là où on enterre les morts. Là où il est censé avoir un lieu, là où il est censé avoir des odeurs nauséabondes. C'est là-bas là le diable va vous envoyer. Pour faire des choses terribles. C'était même d'éteindre les corps. Et ils enlèvent le cas c'est-à-dire les gens qui sont morts là, les crânes. Une personne est enterrée il y a 100 ans, ou bien à 120 ans. Lui, il enlève, il prend sa tête, il prend son crâne, il s'en va. Ou bien il dort au cimetière. C'était même couche avec les morts. Tout ça là, ce sont des choses qui sont réelles. Vous devez savoir que ça existe d'abord. Maintenant, pour ce qui concerne la vidéo, moi, pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit réel. C'est juste, c'est sans doute une mise en scène. Vous voyez, des gens pour faire le buzz, qui vont au cimetière, et puis c'est filmé. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, si c'est réel, c'est que le caméraman aussi, là, c'est un sataniste. Est-ce que vous comprenez? Si la femme là, c'est une sorcière, c'est que le caméraman, celui qui a filmé là, c'est un sorcier aussi. Et ils ont fait ça pour un but bien précis, pour faire la publicité du royaume des ténèbres. Point. Maintenant, si c'est un montage, maintenant par exemple, si la femme, elle est une sorcière, et puis le caméraman n'est pas un sorcier, qu'il sache que elle sait qui il est. Elle sait sa position, elle savait bien sa position. Donc elle attend juste le bon moment pour pouvoir le manger.
Ça, c'est le cas où le cameraman n'est pas sorcier et qu'elle, elle est une sorcière. Vous voyez, non? Parce que les sorciers, là, vous devez savoir qu'eux voient tout ce qui est autour d'eux. Tout ce qui se passe autour de là, eux voient ça, ils sont en train. Il est là, il regarde ici, il est là, il regarde ici. Mais il voit tout ce qui est derrière là-bas. Donc, ça, là, ce n'est rien. C'est là quand j'analyse ça, je me dis, c'est sans doute une mise en scène. En tout cas, voici différents cas, différents cas. C'est existant, c'est une chose existe réelle. C'est pas de la blague. Donc ça, c'est une chose tirée des faits réels. Mais jamais c'était filmé comme ça là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on pense. C'est juste une mise en scène, une chose sans doute pour faire parler les gens. Moi, c'est ce que j'en pense. Mais c'est réel, c'est existe. Même certains footballeurs qui sont allés dormir au cimetière juste parce qu'ils voulaient avoir des pouvoirs pour réussir dans leur domaine. Ça existe. Les gens sont allés faire des choses pas possibles. Même dormir à la morgue. C'est-à-dire quand tu rentres à la morgue, là où on couche les morts, les cadavres, les gens qui vont dormir là-bas pendant plusieurs jours, même une semaine, même 18 jours. C'est-à-dire le matin, ils sont allés au travail. La nuit, il rentre pas à la maison voir sa femme, il rentre directement à la morgue. Il s'entend avec le gardien de la morgue là. Et il dort là-bas. La plupart des gens qui sont de ce genre d'endroit là, les gardiens de la morgue et tout ça, la plupart ne sont pas simples. Là. La plupart ne sont pas simples. L'accent camerounais. La plupart ne sont pas simples. Ça existe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais ne vous envoie pas là-bas, n'y allez pas, et refusez de telles choses, quoi. Pour moi, le diable, c'est un foutu. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tout bien lié. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Reborn 3. Ajoutez Nuance Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.